Et salut à tous, on Bonjour. se retrouve pour l'épisode 58 où un forgeron est mort, on lui cause, on vient de faire des emplettes partout et on a passé presque 36 minutes à le faire. Bonjour les gens. Ah bah bonjour. Commerce, on est de retour sur l'Angleterre. Et dites-vous que c'était 30 minutes que vous n'aviez pas subi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, bah après, ça fait partie de D&D aussi, c'est... Oui, c'est les passages qu'on fait généralement hors campagne. Bah ouais, mais on le fait quand même. En réunion sur Discord, en mode bon, tu veux acheter quoi? Vas-y, balance. C'est pas faux. Ouais, vous attendiez. Yes, that's him. He's usually the first one in, but he's not shown up today. It's not the same without the sound of his bellows in the back and his stories. He tells the best stories. Ouais, you know but... il love, hein. Oui, il ne reviendra pas. Oui, il ne reviendra pas. Vous voulez que je dise ça? C'est horrible. Bon, bah, allez. What? Don't joke about that. He'll come back. He always does. He's probably just gone to get more coal for the forge or visit one of the ore mines. Il est mort. Mais non, mais elle est trop choupette, la pauvre. Oui. Ah oui, mais faut pas la laisser vivre dans le mensonge. And no obituary in the Gazette? Impossible. I don't know why you're insisting on spreading these nasty thoughts, but I'll ask you to kindly. Des mares de sang à 10 mètres de chez toi. No. Is there anything you'd like to buy? If not, move along. Ouais, c'est pas juste. Si vous le dites. Alors, moi je le casse. Ok, donc direction. Ambiance. Direction la porte de Baldur. Eh ben ouais. Ouais. Lance le TP. Tire le levier, Kronk. Pourquoi est-ce pas celui-là? Pas celui-là. Visiblement, il veut pas me laisser. Je clique sur porte de Baldur, il veut rien. Allez hein. La porte du basilisque. Parce que la porte de Baldur, c'est pas un TP, Arda. C'est la zone. Moi je vois porte de Baldur, je clique dessus hein. Ça on dirait mamie qui découvre le téléphone. Mais je comprends pas, je clique sur l'icône, il ne se passe rien. Mais de mon temps, ça se passait pas comme ça. Ah, c'était pendant les vacances de Noël, ma grand-mère avec son téléphone tactile qui appuyait dessus, mais comme une barbare, j'étais ah, mais tu vas péter l'écran, calme-toi, ça suffit. Ouais mais je sens pas la touche, normal, y'a pas de touche. Non, c'est. Avec délicatesse et attention. Oh, c'était ah, trop marrant. Elle appuyait pour toi, ouais. Ah, ouais, mais vraiment, quand je la voyais faire avec le téléphone, j'étais un bon pouf téléphone. Bien, donc l'épisode précédent, on a mis en avant les libertés de la presse. Oui. Maintenant, on va aller à la taverne et se bourrer la Maintenant, gueule. Maintenant, on va aller à la taverne après avoir accompli une très bonne journée de travail. Et bah, vous savez quoi, mon expérience a marché, et donc j'ai de nouveau le temps pour regagner mes points de vie. Mais c'est du foutage de gueule. Tu vois, j'en ai 8. On est parti d'ici, j'en avais 2. J'ai utilisé le truc et ça m'en a rendu 6. Donc l'avantage, c'est que... bah... Ah bah c'est vrai que c'est pas assez fumé comme ça, le monk. Faut que les bugs soient dans sa faveur. Oh, je suis trop deg. Moi, bon... J'ai rien qui est revenu. Comment ça, il y a quelqu'un qui est en train de dire meurt, là. Comment, hein, quoi? Je sais pas, il y a quelqu'un qui était là, il est là, il est là. Dans la taverne du champ de la elfe. Vous pouvez parler au chef Rovière. Oh, une forceur Skuna là, elle a l'air badass. Katox, il dit qu'il faut parler à un chef. Toi, il y a un chat. Un chat qui s'appelle Tambourin. Et il s'est endormi. Thanks for killing those rats. Merci d'avoir tué les rats. Moi j'ai une quête là. Ah non, c'est à l'étage, pardon. Non, vous êtes où là? Je parle au chef. J'ai une quête. Est-ce que vous voulez voir le petit clin d'œil à... Ah non, vous l'aviez déjà vu le clin d'œil à Vox Machina? Non. Ah, venez où je suis. Ah oui. Ah, c'est Grog et Pike. Ouais. Est-ce qu'elle lui apprend l'alphabet ou... Je sais plus. Alors y'a mon basto et y'a Dame Guizarme. Ouais, Dame Guizarme, c'est Pike et l'autre. Enfin, franchement, la gueule, bah. On,
from one warrior to another. I must say, it's just embarrassing the way the Flaming Fist lets this murderer go around killing people and getting away with it. They used to be capable enough, but they've gotten slow and lazy. Corruption makes you soft. I'd start a special crime unit. A half dozen hard cases. Grab some likely losers in the back alleys and beat on them until we got some answers. Ah oui, ça c'est de la bonne procédure. Allez, on va tabasser des clodos. C'est ça quoi. Soft talking namby pambies, I'd wager. But when they fail, and they will, count on it. She knows where to find Dame Gizarm. Then it'll be my turn. Ah bah je préfère Pike hein. L'esthétique ça fait penser, mais après le perso, bon. Bon, moi je vais à l'étage. Enfin, en tout cas, j'essaye. Mais non, faut que je parle au chef. Parle au cuisinier. Ah, il y a une quête là aussi, pardon. Mais bah, vas-y, go, Katox. Je sais pas où vous êtes. We got rats and cellar. We also got cats, but cats are useless. So how about you kill the rats? Ok. Ah bah, on les a déjà butés de toute façon. Oh, oui, on est passé par là. Qu'est-ce que je fais? J'ai tué des rats ou quelqu'un cherche à vous tuer? Il faut faire le 2 puis le 1 après, comme ça on lui dit qu'on les a butés et nous récompense. Donc, on lui dit. Very clever. Good job. Yes. Here, you take this. Ah là, maintenant tu peux peut-être lui dire attention, on essaie de vous bousiller la gueule. Hi, you already got paid. No more work here. Plenty of rats elsewhere in the city. Rats, murderers. Always knew the chef gig wasn't gonna be easy. Par contre, va savoir ce qui t'a filé. Do not worry. Chef Revere's eyes will be kept peeled for murdering types. Ok, il est mort. Oui, on va le retrouver mort dans 2 secondes. Bon, vas-y, je vais à l'étage. J'espère qu'on va pas se faire alpaguer. Non, je vais négocier l'accès à l'étage. Ah ouais? Ah oui, c'est comme ça qu'on a eu accès aussi à la petite. Ah là, c'est notre chambre. Bon, ok, ah. Donc Katox est retourné visiter. Ah, ok, d'accord, c'est notre. Attendez, il y a la gnome qui se barre, il y a la gnome qui se barre. Cinématique. Attends, quoi? Bah, je suis en cinématique, moi. Avec la gueule en sang. Il y a un problème. Bollocks. I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. J'ai bien envie de dire la 2, tiens. Attends, j'ai pas vu. La cr... Ah, je suis perdu. Oh, première. Oh, je suis perdu. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Devella, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stelmane's dead, and I've got to find who killed her. Gods. That's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound. But this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations. And cast into the Chiomthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. J'ai pas de bol, hein. Voilà.
On est allé dans la tour, c'était un truc de cultiste de balle, ça a été foutu dans l'océan, et paf, un nouveau temple qui a été construit juste derrière par Orin. Comment hein? Quelle surprise. C'est, bah, franchement, pas de bol. Hein. No doubt you found a trail of bodies in their wake. Non. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerûn couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. Ah, la bureaucratie. You? You're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. C'est surtout ça le truc, c'est qu'en fait il y a déjà eu des cultistes de balles qui sont travaillés dans la ville en mode youpi la tralala. Là il recommence et genre mais non, c'est juste des gens qui s'amusent. Des copycat. There are patriarchs on the murder target list. I'm oathbound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? C'est pas de ma faute. La 3 était pas mal. And more than I hoped. Once I'm done with the patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. La bagarre. La bagarre. Bah, on va peut-être aller fouiller la chambre. Oui. Hop là. Moi je suis le roche. Il y a une lettre. Je lis la lettre. Hein? Ouais, c'est ici, c'est pour aller au camp. Note sur la scène de crime rédigée par Devella Fontesprit. Tu sais quoi? Défunte, Duchesse Stelman, lieu chambre privée à l'étage de la taverne du champ de neige. Cause de la mort, hémorragie suspecte. Bouteille de vin jetée. Ouais. Rituel, main droite manquante, coupure nette, poissonné. Voilà. Marque de l'absolu sur le sol, bouteille récemment vidée de son contenu, peut-être du poison. Attends, on peut la. C'est un rituel de balle. Tu l'as prise la bouteille? C'est pas moi qui l'ai prise. Eh vas-y, ça fait un truc, on peut la mettre sur les arts. Master Medzil Karabazan Gift. Ouais, on peut cliquer sur. Ah. Ouais, on peut l'utiliser, j'essaie de l'utiliser. Elle est dans ton sac, c'est une petite fiole blanche. Masters, Medzil, Karabazan, Gift. Oui, elle est dans ton sac, c'est toi qui l'as piqué. Ah, j'essaie de le boire pour voir ce que ça fait. Eh ben allez, let's go. Les mecs, c'est pour la science. Non, moi je peux pas. Y'a quoi à l'étage? Y'a le toit et y'a la barde qu'on avait vue à l'acte 1, je crois. Je vais voir si elle a quelque chose à me dire. Ah, j'ai la musique. Attends, c'est toi qui joue de la musique là? Non, c'est la barde. Oh, le mélange des deux, c'est vraiment pas agréable à l'oreille. La fameuse taverne du champ de l'air, de l'elfe. Techniquement, nous sommes sur le toit de la taverne du champ de l'elfe. Quatre, elle est incroyable. Je pensais que j'allais performer pour la plus grande audience dans les realms. La entièreté de Baldur's Gate. La Carissa me laisse practice up here quand elle est en shift downstairs. Elle est trop bonne pour moi. Mais vous,
I have a bone to pick with you, O brave adventurer. Ah, j'imagine bien, je pourrais te broyer. Big trouble. The most trouble you've ever been in. I've decided I'm not going to perform in the Elf Song. Mainly because only the Elf Song itself is allowed to perform. I'm going to open up a school of bards. The best in the realms. To usher in a new age of magic and musicianship. And it's because of you that I dare to dream big enough. C'était quoi, porte mon nom? Thank you. That means a lot. I wanted to tell you first because, well, you inspired me to do it. Here. My very first lute, tuned to perfection. Thought you'd appreciate it when I'm rich and famous. Super, un bongo. Take care, my friend. Thank you. For helping a stumbling bard in a druid's grove find her spark again. Non, on est d'accord que... Ah merde, non, purée, elle en a encore un. Lutte. C'est juste. Ah, moi je me disais ça. Un lutte comme j'en ai beaucoup, quoi. Hein? Oh! Y'a un spécial, quoi. Non, j'ai pas eu le temps de lire les potions, ce que c'était. Alors, une potion de vitesse. Je vois la potion de vitesse à notre cher moine qui en a clairement besoin. On a une potion comment dire, d'entoilement. Nous avons un élixir de vigilance. Paf, Arda, c'est pour toi. Ouais, bah, je te l'ai envoyé. On avait deux crochets et des armages de piège. Oh, il y a un gros nanar. Paf. Et la web grenade, je la garde comme ça si jamais on veut sauter comme des teuteux. Hop. Elle est où la Clissa? Normalement elle est pas là. Donne-moi de l'or. Ouais, quoi. Ah, si vous voulez on peut se balader sur les toits pour essayer de trouver des petites... Ah mais il y a plein de gens là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah que pendant que tu joues de la musique alors je vais faire mon Yamakasi moi. Bah, ah je sais pas, je vais sauter de toi en toi. Je sais pas. On a plus de quête à faire. On va aller juste en dessous. Là, moi je vais aller là. Non, on y va pas. S'il vous plaît. Bon, allez, on y va, c'est bien pour toi. Il a une armure de fou. Allez, on y non, va. Non, non, mais après, entre deux épisodes, c'est que ça, on fera ça entre deux épisodes. Ah bah, je lui parle, voilà. Ah ouais. Damon. Non, c'est Matt. Ah, c'est pas Damon, hier. Yeah. Non, mais c'est notre pote. Mais oui. Ah, et bah visiblement, les Phaser Fall, ils faisaient plus je me suis pris 15 points de dégâts. Je trouve que je l'ai relancé, quoi. I'm shocked by my good fortune, quite honestly. Rent is fair, and the setup is just what I need to start making a living again. Without you, I'd be dead in a ditch twice over. Voilà. Alors, j'ai pas le dialogue, là, tu regardes dans le vide. Smithy in the city. Qu'est-ce qui se passe? At least. Il se complète sa vie. Non mais on est d'accord que là vous avez ni le dialogue qui s'affiche en bas et vous avez juste un gros plan sur le perso de... D'accord. Non, moi j'ai le texte pour une fois. Ah bah super, bah j'ai pas le texte. Moi j'ai juste... J'ai eu ça la semaine il y a deux semaines. Ah ça y est. Mais c'est sympa moi qui devrait acheter son truc là. Oh. Ah est-ce que je dis... Là il faudra faire la technique de lui filer des objets si on est déjà pas pote avec lui. Comme ça après on l'endort et on lui vole tout, gratuitement. Ce principe de voler. Il a de l'alcool qui est incroyable. Non mais c'est surtout que là, s'il est allié avec nous, quand il se réveille et qu'on lui a tout volé, il fait pas genre « Hey, on m'a volé !» C'est genre « Bah, c'est pas grave, allez, c'est cadeau. » Ah, c'est l'armure de persistance que tu... Oh oui. Armure de persistance, il y a les bottes aussi de qui filent Long Strider et tout machin. Il y a plusieurs objets. C'est pour ça, boss. Avec la taverne ? Quoi qu'est-ce donc ? Ouais, il faudra qu'on aille prévenir les gens, en gros, qui sont sur la liste de meurtres qu'on avait chopé au William Cross. Ok. C'est fou parce que il
il a encore tous les trucs qu'on lui a vendus de merde de l'acte 1, ça me fume. Ah bah c'est lui qui a la mulette de Guidance. Bah c'est putain, mais voilà, bah justement, on pourra la récupérer. Mais ce que je te dis, je te filerai les... Si avec ça, je lui filerai les objets, je le mettrai dans le... Je l'endormirai et tu lui voleras les trucs entre deux épisodes. Il a pas un bâton pour moi. Non, lui non, mais t'inquiète, quand on va aller au magasin de farcer attrape des magiciens, normalement tu devrais trouver ton bonheur. Attends, il y a une double porte là. Thank the gods. I should have known you'd make it to the city. Ah là, t'es niveau, faut juste qu'on aille au sud de là où on est à l'heure actuelle. Of course. Il y a Murder Target Cora. Et c'est... Oh, il va falloir rechercher dans tout ce merdier ce qui nous intéresse. Épée de vol de vie. Non, t'inquiète, je sais ce que je veux, donc... Armure de persévérance. Oui, mais non, mais l'achète pas, ça sert à rien de cramer la thune. Bon, c'est la moitié de ce qu'on a. Mais oui, mais là, il n'y a pas que ça à acheter. On peut l'avoir gratos. On peut l'avoir gratos et... Enfin, je vais pas claquer toute la thune du groupe juste pour des trucs à moi, alors qu'on peut les avoir gratuitement. Non, t'inquiète, il y a d'autres trucs à acheter super bien pour vous tous, donc c'est pour ça, moi, ceux-là, on peut les avoir gratos, et c'est juste qu'il faudra que Atemir soit chaud en vol. Il y a Messi, là. T'es où, là? Oh, putain, vous y êtes déjà? Où ça, quoi? Ah, vite, il va y avoir... Quoi? Il va y avoir un bain de sang. Va au festival du vin. Boisson. Intérêt à être chaud sur vos appuis, messieurs. Alcool. Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzli, and I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. Dis le 1, on est d'accord. Ouais, comme ça, moi, c'est dit. No! I must say, if this is a practical joke, it's not very amusing. Why, a serial killer? Oh, that's terrible. Master Metzli, are you quite all right? Okay, on va le buter. It was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. And I will peel it from your skull, should you interfere again. Ah. Ah putain, il s'était... Hein? 1, 2, 3... Attendez, ils sont paqués. Bagarre! Attention. Ouais, ils sont paqués, je vais aussi les cramer. Hein. Ah bah vas-y, crame-les et après je saute dans le tas. Si tu veux faire une boule de feu, c'est... Maintenant. C'est bon, je peux y aller? T'es dedans. Ah bah si, j'ai perdu de la vie, tu m'as tapé, hein. Je peux y aller? Tu peux y aller. Surtout que j'aurais pu... Bagarre! Oh, merde! Oh, pardon. Oh, merde! Désolé, ça va, monsieur? On a gronné. Putain, mais Katox, préviens avant de tout jarter quand ils sont paqués. Mais je ne sais pas jarter après un mètre. Bon, ouais, mais du coup, il s'est retrouvé sorti de son AOE. Alors, je suis désolé. Attends, Ouais, lui là, faut pas le laisser s'échapper, lui. Ah. Quoi, il doit s'échapper? On fait mon affaire. Oh merde. Non, mais c'était une erreur, messieurs, là. C'est une bavure. Bon, il s'en ira pas. Faut le tuer, faut faire quoi? Ah ouais, faut buter tous les Dolores là. Ah bon, bah écoute. Ah mais pourquoi j'ai marché jusque là? Bah attends, mais qui c'est qui a tapé sur Flaming Fist? Bah personne. Bah pourquoi il a déjà. Oh, ok. Ah vraiment, alors je suis désolé. Pauvre civil là, il avait rien demandé. Je pensais vraiment pas que j'allais le bousiller. Tuer des innocents, mais je l'ai pas! Bon, ça va depuis longtemps! Je l'ai vraiment pas fait exprès en plus! Bon, ça va, c'est des fils, bon, ils sont tous corrompus, ils sont à la solde de Gortage, bon. Et après, oui, les aventuriers sont gentils, on peut faire du commerce et tout! Mais alors, ils ont quand même semé 25 000 cadavres dans la ville! Oui, non, mais c'était des adorateurs de Gortage! Voilà, la concurrence, ça rend les gens riches.
moi. Ah, merci. Oui, c'est pas faux, c'est vrai que je me suis mis en panne. Mais regarde, l'élémentaire il arrive à esquive, pas moi. C'est pas ça, Marty, comme vous. Oh, oh. Ah, je sais pas, mais. Tape, hein. Pas aimé. Ouais! Non, mais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des créatures monstrueuses et puis non, ils nous attaquent nous. Mimir, t'as des PV. Ah putain. Ah super, waouh. C'est un mec solide, non? Ouais, bah je sens bien. Oh. Bah ouais. Justement, il est fait, hein. Moi, je suis content de m'être mis un peu loin, là. Y'a personne qui me tape. Ah. Tout ça parce que j'ai tué un civil. Franchement, c'est un peu disproportionné comme réaction. Hein. C'est bien, personne me tapait. Qu'est-ce que tu viens faire là? Là non, je me tape 3 attaques d'opportunité si jamais je le fais, donc je sais pas s'il vaut mieux pas que tu me tapes dessus. Bah on va te taper dessus, hein, c'est pas grave. Hein. Oh attends. Oh attends, je vais faire un truc. Oh oui. Attends, je m'échappe et normalement il va pas devoir me taper. Hein quoi? Ah bah si, super. Vas-y. Attends vraiment alors. Là c'est pas bon? Bah non, parce que je voudrais taper le mec qui est à côté de Catop. On sait, je suis parti. Attends, mais il faut que j'aille par où alors? Par là? Genre, va sous les arches là, ça. Ouais, exactement là où t'as vu ton but, t'es pas dedans. Ouais. C'est bon? J'ai bien fait de partir. Non, je suis trop loin pour le taper. Ah bah alors alors ça là c'est pas moi. Hein. Bah de toute façon on était déjà en agro. Ah, techniquement je les ai juste fait tomber au sol hein, je leur ai pas fait des dégâts hein. Ah mais ça les a fait passer en ennemi. Ah super. Tiens prends ça. Là y'en a un. Oh là, tu vas où là? Sur le toit. Sachant que la sortie pour moi si je prends de la hauteur. Ah, tu veux le lancer avec level combien? Ah, level 1 c'est suffisant hein. J'en vois pas un shield sur mon myrmidon hein, c'est useless. Il l'a pour souffrir. Ça, ça fait bizarre de voir des rangers. Waouh! J'ai esquivé une attaque! Wouh! C'est pour ça, quand je vais avoir l'armure là qui prendra deux fois moins de dégâts de tout, on va rigoler. Meurs! Merde! Pardon! Bien wesh! Ouais, j'ai. Il y a eu des erreurs. La deuxième pendant ce combat, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Ah bah si, tiens, attends, mon action surge, elle est revenue finalement. Ah oui. Est-ce que vraiment il y a besoin? Non. Hein. Ah, c'est quand même con, hein. Si j'avais tapé sur le mec, j'aurais pu le tuer. C'est vraiment de... C'est vraiment... Ouais, si j'avais pas tapé sur le myrmidon, hein, ça... J'ai vraiment pas de chance, hein. Putain... Non, mais franchement, je te jure, avec l'angle que j'avais, j'étais convaincu que j'allais taper sur le mec. Ou critique. Ouais, on voit qu'ils étaient corrompus parce que la foule du voie ne vient pas à leur protection. C'est bien parce que Kato s'était vraiment mis sur le coin du truc et... Ah ouais, je me suis enfui, moi. Il est Shrybuk.
mort là à cause de tout. On les a pas tapés. Mais allez eux. Oh j'ai encore. Oh, je suis inarrêtable. Ouais je fais des trucs les gars. Oh là là. Je vais encore servir. Attends mais il a échappé. Bon ça il s'est échappé. Bah, je sais pas moi mon perso vient de s'est échappé. Hein mon perso. Ah merde. Ouais ouais effectivement il est pas dans les cadavres. Ah dommage. Mets ton fufu pour looter les. Hop là. Ah, j'ai une clé du magasin de pierre tombale. Une candidature prometteuse, un poison. Toi aussi, t'es en train de looter? Ouais. Il y a un gut, je sais pas où, qui m'a vu là. Oh non! Non, mais je regarde juste s'il a un pouls, hein, c'est. Vous en faites pas. Ah, mais c'est lui! Attends, vas-y, je vais lui parler là, il va arrêter de me regarder. Là. Qui c'est lui? I still can't believe! Tiens, vas-y, fais-toi plaisir là. Ah merde! Vas-y, 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 parle-lui. Ah, je peux pas, il y a d'autres personnes qui me regardent. Ah ouais, ah ouais. Mais non, mais... Ah, mais il y a littéralement un gars à côté de toi. Mais oui, mais il est sorti de la maison. Bah là, soit je paye 3500, soit je l'attaque, soit j'essaye de... Bon, vas-y, je vais essayer de le pipoter. Bon, après, à tout moment, je le tape, hein. Vas-y, intimidation. Allez, c'est maintenant. Super. C'est encore fait griller. Putain. Je ne personne. Fais dodo. J'ai juste eu le plus 1 PX. Personne ne sera au courant, ne vous en faites pas. Attends, y a un garde qui arrive. On veut que je me casse, moi. Ah bah, je crois que ça n'a pas marché. Ah non, c'est un vol, tout va bien. Dans le journal de Kate, j'arrive pas à retrouver le... Attends, vas-y, ah, essayer merde, de... c'est embêtant, ça. De quoi? Quoi? Encore de la buter? J'ai une clé! J'ai une clé pour un coffre-fort! Bah non, mais soit je les attaque, soit je leur donne les objets volés, mais c'est aucune idée ce que c'est. Oh là là là! Ouais, je dois pas y croire. C'est qui tu dois attaquer là? Bah je sais pas, mais justement il y a quelqu'un qui me parle, mais je sais pas qui c'est. Vas-y, on attaque. Bon, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, vas-y, on attaque. Dans tous les cas de figure, c'est eux qui sont en tort. C'est une bavure policière. Très bien. C'est une injustice, il a dit. Il a dit que c'était une injustice, le nain. J'ai entendu. Ouais, c'est parce que je suis de petite taille, ça, c'est pour ça. Tu peux taper après moi ou pas? Ah non, Ouais, ouais, bah... Non, mais t'inquiète, il est bon. Ouais, bah je me doutais pas que ça. J'avais été là. Très bien, il y a deux personnes qui sont chez eux, là, tranquillement. Voilà, attends, waouh. Ah, t'as vu Speedy Gonzalez, là? Ouais. Ah, rapide, pas l'est. Bon, et alors, du coup, moi, je posais la question, mais vous avez peut-être pas entendu. Je ne trouve pas la quête pour Cora Hautebaie dans le journal de quête. Bah, pourtant, il y avait. Il fallait la prévenir qu'il y allait avoir un meurtre. Tu vois, il y avait écrit Murder Target Cora. Bah attends, on va lui parler. Elle était juste devant elle. Figaro, la couture est le suivant dans la liste. Ah merde, c'est son mari qu'on a buté. Oups. On doit trouver un gars qui s'appelle Figaro haute couture. Mais c'est quoi le nom de la quête? Enquêter sur c'est les un meurtres. Ouais. Ah ouais, d'accord, il est à l'autre bout de la ville, on peut y aller très vite, quoi. En fait, je suis en train de parler à la femme du mec qu'on vient d'éclater parce que il nous a vu voler.
Ah, je suis désolé, madame Ivery, vous êtes sur l'église de meurtrier, vous êtes pas en sécurité. Tu vois, le mec qui a carrément les... littéralement couvert du sang de son mari. C'est ça, c'est... Venez, on va vous mettre en sécurité. Je vois pas ce que tu veux dire. Bon, et si jamais elle nous a filé 999 PO pour l'avoir sauvé, hein, je l'avais déjà parlé tout à l'heure. Ah bah parfait, très bien. Non, c'est... Oh, elle aimait pas son mari en fait, c'est pour ça. Elle en fait... parler en fait. Ouais, bah je crois que c'est un con. Attends, t'as pas le truc pour te déguiser? Si. Attends, j'ai pas encore une boîte de déguisement là. Attends, je regarde si j'ai le casque sur moi, mais normalement je l'ai. Déguise, tu vas lui parler et c'est bon. Elle saura pas que c'est toi. Vas-y, attends, je vais déviser. Je serai une elfe. Je serai l'aide. Alors, en vrai, plus elfe pourra aller parler. Non, mais en plus, elle est trop... le modèle est trop classe, je trouve. Ah ouais, hein, franchement, c'est... vacherie hein, qu'il soit mort. Ah mince, vraiment. Ah, attends, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Moi, je crois que c'était un nain. Ah bon, non. Parce que t'es avec ça comme choix de... Non, je peux me transformer en Gichanki. Non, pas de parole à la main. Ah oui, j'avais que ça. Il y a une trappe verrouillée là où je suis. Ah, tout va bien, tout va bien. Avec un trappe, avec un tapis dessus. Attendez, moi je... T'as pas vu la clé? J'ai pas vu la clé. Clé de la cave. C'était caché. Sur la... Moi je m'occupe. On est au sous-sol, Ok, ça marche. Bah, moi je suis en train de refaire la décoration de sa maison parce qu'il y a besoin de changer d'air quand... Y a un perception à faire. Il y en a plusieurs. Ça craint. J'arrive, je finis de... Attends, mais j'ai un pare-chocs. Mais tu vois les invisibles toi normalement, Katox? Ouais, oui. Les invisibles. Pas les pièges. Oh, des potions de guérison. Je reste pas à côté de Katox, moi c'est un peu à ce que tout nous pète à la gueule. Encore perception ratée. Y'a des trucs. Ah, je l'ai trouvé celui-ci. Ah putain, c'était sur un coffre, mon perso, il reste la tête sur les épaules. Hein. Bon, j'ai fait un succès critique sur l'ouverture d'un coffre, mon perso, c'est pas maintenant que j'aurais aimé le faire, mais... Eh hey, 258 BO plus un lingot d'or. Oh là, dis donc. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des perceptions belles. Attends, ce qui est dommage, c'est que j'ai une arme spécialement pour la perception. Et 96 PO dans le deuxième coffre, incroyable. On va lire l'almanach. Donc elle nous offre la moitié de sa fortune parce qu'on a, on l'a sauvé. Ah ah ah, il y a un coffre caché. Ah, j'arrive. Il est verrouillé, bien dommage. Ah, c'est... Ah là là, c'est... Attends, elle a une lanterne. Je peux pas... Ah, attendez, j'ai cassé mon crochet, je recommence. Et donc là, on a loupé des trucs... Ah, voilà, un petit succès critique. Peut-être que c'était des bouteilles super rares. Alors c'est un élixir de résistance universelle. Ah, pas mal ça. Et une potion de vol. Bon, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, vous les voulez, j'en ai 3. Je sais pas comment faire. 2. Des potions de vol. Ouais, mais c'est un peu oui, bah tant que tu peux. Oh. Bah, tiens, on prend des potions de vol. Ah, oh, ouais. Moi, ça me sert à rien. Comme ça, je pourrais les laisser dans mon sac et oublier que j'en ai. Toi aussi, tu. C'est ma grande stratégie. Ouais, c'est pas grave. Bah, ça, moi, je maîtrise vraiment le, pour l'oubli. Ça, je me suis fait utiliser des flèches, je me suis dit j'en ai, donc bon. Bah, c'était bien, allez, on se casse. Ça, c'était bien rentable, comme. On s'est fait de la thune? Ah bah on s'est fait 300 balles, c'est plus parce qu'il y avait aussi de l'or qui traînait au sol. 400 balles plus les 1500 balles. Bah je crois que c'est tout le meurtre de robot qu'on a refait qui est remort. Ça m'a fait peur de quoi. Ouais, moi aussi j'ai pas compris ce qui se passe. Quelqu'un est allé à l'étage ou pas? Ouais, je me suis occupé de la décoration, t'inquiète pas, c'est devenu minimaliste en haut. Qu'est-ce qu'il y a de mieux?
Ah bah, le style scandinave, quand même, c'est vraiment le plus sympa. Hein. Ah, il est... Ah, mais c'est le Murder Tag. Ouais, et comme ça, après, si vous voulez, on pourra descendre tout au sud. Voir qui ? On a encore une quête sur le port le rond. Ah, attends, il y a quelqu'un qui me parle. Ah, tu t'es fait choper parce que tu volais ? Non, même pas. Maudit hypocrite. What ? On me critique parce que je... truc... Ah bah c'est ça qu'on... Lady Mizora told me everything. How Will slaughtered his own father. How he craves his... What? How he means to make the city bow to him and him alone. This city holds no place for you. C'est pas celle qu'on avait sauvegardée pas longtemps là. What the fuck? Oh, bon, bon. Sonder l'esprit. Ouais, middle. On a 3 inspi. Ah, mais c'est franchement, ce jeu, c'est dingue. Dame Mizora, Dame Mizora, diablesse, c'est une diablesse. At ease. By the living gods, I believe you. Le mec il vient de lancer une conjuration sur la gueule. Oh, non, bah, je vais vous buter, je te jure, c'est pas moi. Je te crois. Et c'est pas un sort d'hypnose, ça ? Non, tu... Avec le doigt sur la bouche. Par contre, elle a fait vraiment un Clark Kent avec juste mettre une petite capuche en toile sur sa robe hyper classe, personne ne la reconnaîtra jamais. Deux gardes du corps derrière, quoi. I should seek Will out and give him a message. Will was schooled in the ways of the great champions. He is to use those lessons to wake the worm sleeping beneath Baldur's Gate. The worm is oath-bound to answer the call and come to the city's aid. Oui, oh oui. Incroyable ça. Oh oui. Est-ce qu'on va enfin pouvoir se servir des flèches de dragon que dans mon sac depuis l'épisode 6? He sleeps beneath us even now, awaiting a hero to rouse him. The worm goes by many names. Ansur, the waiting storm, the heart of the gate. He promised Balduran he'd protect the city if ever its existence was threatened. But just the once. The city has faced countless threats, but Ravengard knew it could not survive the absolute slaughter. With him gone and the city near ruin, the worm's awakening now falls to you and Will. The Duke gave me this. The legend of Ansur, an ancient epic, ill-remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you. Or do not, and see Baldur's Gate burn to ash. Mm-hmm. Thank you. In darkness, I see your light. I should go. I know of still others that might help us when the battle horns call. Unleash the worm. Let its tempest swallow the Absolute and its allies. And may they be driven forever from the coast. Okay. Il a l'air content, l'autre. Ah bah oui, ouais, je suis très très content là, il faut qu'on y aille. Alors du coup, j'ai perdu de vue Katox, où est-ce qu'il est parti? Bah il est dehors, je vous propose d'aller du coup dans la maison pour aller voir Frank. Frank? Francis? Francis, here. Let's go see Francis. Oh, c'est un truc que j'en vois Arda. Alors, dans le livre, ce que je vous avais dit quand on était devant le passage où vous étiez en train de dire mais on peut pas passer et autres. Ah, c'est ça. L'énigme est dans le livre. Mais par contre, je conseille fortement que ce soit
Soit toi, Temir, qui le lise, parce qu'en français, la traduction, elle est pas claire. Ou alors peut-être qu'ils ont retraduit le passage, mais tu peux pas trouver la solution en français, c'était pas très clair. A tag wired to it reads, Unit defective, return to the Steel Watch foundry at the West Docks. Nani ? Il y avait un Steel Watch en train de faire. Ah oui ! Comment on y rentre dans cette baraque de merde ? Là, il y a une. À part la porte, quoi. Mais les barriques. Attends, on va faire la technique de la toux. Oh, mais c'est les fameux troubles d'or. J'ai cru que je t'avais tapé, Kato. Double doors. Ah, ça a pas marché. Comment ça, perception? Perception fail, oh non. Attends, je... Ceux qui souhaitent pouvoir accéder, putain. C'est dommage, j'avais retiré mon arme qui me donnait avantage sur la perception. C'est moche, hein. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais il y a une trappe. Il y avait un bloodstain parchment à côté. Ah bah il y avait une clé ici. Ah. Bah il y a quelqu'un qui est mort ici aussi. Allez Cam, Baldur's Gate, c'est il fait pas bon vivre. Hein. Ah oui, je vois. Pourquoi ça, c'est marqué courageux petit machin. Et pourquoi il fait 3 mètres le boss. C'est bon, il fait 3 mètres. Ouais, il est plutôt grand le boug. Ah, j'ai un bras tranché de clown, je l'envoie au nord. Yes, ça ira dans mon coffre, histoire que ça sente bien le graillon. L'effigie de Yagashura, qui a consumé sa mortalité. Où son cœur l'a-t-il mené? Il s'est pris pour un titan, mais il est mort en murmurant le nom de sa mère. Orin la Rouge. Encore elle. Globalement, j'ai bien compris que à chaque fois qu'on verra des cadavres, ce sera un peu de sa faute. Bah, la clé, c'est peut-être pour ça, non? Allez. Un coffre. Waouh, y'a plein de matos par terre. Bon, 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 bon. Bah, je fais mes courses, hein. Quantité de trucs. Y'a des arcs courts, des arcs longs. Des arquebuses, non pas des, ça. Des arcs mi-long, mi-court, mi-long derrière. Et le coffre fort, tu veux pas l'ouvrir Des arcs mulets. Le coffre fort, ah pardon, je l'ai même pas vu, tu vois quoi. Et ma clé. Ma clé, non. Ça bah, vous êtes devant les cocos, alors. Pas allez, je t'ai laissé la place. Non, c'est verrouillé. Bon. Ah, fallait faire. Oh, j'ai même pas fait dit, tiens. Ah, ça arrive pas souvent, quoi. Dans ces moments-là où tu te dis bon, sachant que j'ai 54 trucs pour crocheter les serrures, on devrait y arriver. Ah mais... Ça me fatigue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais c'est que du stuff qu'on peut pas mettre. Tiens, je t'ai envoyé Katok, peut-être que ça t'intéresse. Pour une fois, je me dis allez. Half plate armor, ah. Ouais, mais c'est encore des trucs plus 2, mais il n'y a pas de... Oui, mais de toute façon, les short swords, moi je peux pas en mettre, donc ça coupe court au débat. Ah putain, mais Katox, tu vas pouvoir avoir une armure moyenne ou que tu peux porter même si t'as pas le fit. Ça peut être intéressant. Ah ouais, en plus elle est bien. Elle est pas mal. Ouais. Bon bah lui il est mort. On essaye d'aller au sud là, je sais pas si on peut plus descendre que ça, mais ça permet pas de découvrir la fin. Ça va. Bah. Ça me va. J'attends remonter, entendre les bruits de bois parce qu'on a fracassé la porte. On peut aller par là, mec. Ça vous dirait pas un petit short rest là Moi je suis fou là. Ah, pas du tout, j'ai rien dit. On peut faire un short rest.
Non, mais je sais pas pour Katox, toi, niveau. Oh, moi, il me reste 5 PV, ça va. Non, mais d'accord, mais tes PV, mais aussi tes sorts. Il me reste un sort. Donc, on peut faire un short. Que celui qui veut faire un short fasse un short. Bah, trop. Ok. Voilà, c'est fait, allez, on peut avancer. Wouah, je suis en full life. Là, il y a une porte là. Ah, on... Attendez. Laquelle? C'est la double battant. Là, là. Il y a des gens. Ah, mais. Oui. What are you doing? J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Elle est verrouillée. Guild's friends are Taskrun's friends. And I don't hurt my friends. Unless they deserve it. Alors, ah zut, t'étais en train de parler, j'ai même pas suivi le dialogue. Bon, c'était en gros l'homme de main qui surveillait l'entrée. Bah écoutez, la porte est ouverte. Hein. Et c'est pas là l'entrée. Bah, je sais pas. Bah, on peut quand même aller visiter. Moi j'ai vu qu'il y avait plein de trucs dans cette dans ce truc. Caldwell's Pouch. Je sais pas, mais il y a un coffre à crocheter. Ah, Patriarch's Letter. Non, mais qu'est-ce que j'ai sur les trucs? Ça fait 3 succès critiques que je fais sur les coffres là. Ok, bah, je t'envoie les courriers qui. Non, merde. Oh, quel coup. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai envoyé les lettres au camp au lieu de Arda. Il y a une hatch ici, si jamais. Alors, on est reparti. Bah, on peut. Ouais, il y a une trappe. Vous avez lu les lettres qui offraient les services ici? Ah, je les ai pris pour les envoyer au camp, donc je vais les chercher au camp et je les file à Arda. Si t'es pas obligé de les ramasser, tu peux juste faire clic droit, Oh, oui, bah, c'était juste qu'il y avait des pièces d'or à côté, donc je me suis pas embêté à. Ah, la trappe, elle est verrouillée. Ah pardon, j'ai pas vu. Serrurier. Arrivé, excusez-moi, je sors les outils. Est-ce que tu veux? On veut pas savoir, ceci. Ah, j'arrive. Regarde pas. Sors mes outils. C'est ouvert. Je vais insérer mon outil dedans. Il y a Will au camp qui veut nous parler. Sans deck. C'est normal, on vient de lui sauver la mise là. Attends, mais ils sont où les coffres? Ils sont au milieu de la pièce. Bah ouais, ils sont transparents donc Ouais, il... bah faut cliquer vos pifs un peu tout à l'heure, ça m'a fait ça aussi. Le seul que je trouve, ça me dit que c'est pas le mien donc Je sais pas, ils sont sur la carte là. Genre. Mais tu devrais revenir, on avance là, il faut... enfin, c'est pas très grave. Mais il a refermé la porte. Mais il s'est remis dessus. Tu là. Clic. J'aime bien, j'arrive, je vois, clic. J'ai entendu que c'était piégé, non? Oui, oui, il se tient juste devant le coffre. Tout le monde s'est plus piégé. Allez! Je sais pas à quoi ils servent. Les anneaux de. Qu'est-ce que c'est ça? Eh, une oreille de hyène! Incroyable! C'est bien ça, envoie! C'est fait. L'anneau de M. Fro. Je sais pas où je vais avec ma phrase. Non, j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié entre temps, donc c'est que ça devait pas être très intéressant. Voilà, il y a plein de courriers sur la table. Ouais, si, voilà, c'est ça. Le. Comment ça fait? T'es dans le même état que moi, là. Du coup, vous voulez pas qu'on aille faire ça? Bah, moi je dis pas non. Hein. Faire quoi? Bah, tu sais, on était dans la prison l'autre jour et il y avait un passage à travers le mur, on n'y arrivait pas, et c'est le bouquin que t'as dit tout à l'heure qui permet d'avoir l'info quant au fait de passer de l'autre côté. Vous voulez qu'on retourne dans la prison? Bah, il y avait pas le truc de faire le tour, prévenir les gens avant qu'ils se fassent buter, avant qu'il soit trop tard. Moi je préférais prévenir les gens. Hein. Bah, on prévient les gens alors. Alors, faisons de la prévention. Je viens de trouver une potion de pide au pif. Là. Donc le prochain sur la liste c'est. Il est dans un couturier, tu le vois vraiment, il est bien à l'ouest. Figaro, la couture pince. Et après, les autres sont plus ou moins dans ce
ce coin là aussi. Donc... Nesha. Ma mère, j'arrive pas à le trouver. Moi, je vais te suivre avant tous les cas. Quoique. Ah, c'est Alexander. Quoique, est-ce que. On a un épisode là. Alexander. C'est une possibilité. Ah oui, ils sont encore tous morts là. Bah, ou alors on arrive pile devant et on arrêtera l'épisode là. Ouais, on se pose devant et ensuite on. Ah, quoi ? Ouais. Bon, on l'a déjà fait. En plus, il y a un TP sur la route. Simple pour l'instant, c'est simple, c'est tout droit. C'est tout droit. Ah, c'est vrai qu'il y a le copycat de Arda. Copycat de Arda, de qui tu parles ? Ouais, devant le magasin de Farce à Trappe Magique. C'est parce qu'il est magicien lui aussi. Ah non. Ce cliché là sur les magiciens, je vous jure. Eh non, même pas. Oh la merde, je vais où moi ? Attends, vas-y, passer par là. Ouais, toi aussi t'es perdu. Vas-y, je t'attends et vas-y, va vers. T'es allé si loin que ça ? Oh là là, mais on va oublier la moitié des bâtiments. Mais jamais. Oh t'inquiète pas, je suis là pour les rappeler. Il y a 4 marchands, on leur a pas parlé. Non les gars, vous êtes pas méthodiques, hein, ça me stresse de ouf. On n'est pas méthodique alors qu'on essaie de faire une quête comme il faut proprement. Mais en fait, on s'en fout, on va y aller là, c'est pas grave, c'est pas gênant. Je veux dire, c'est. Bon, on a découvert deux, dont le TP qui s'appelle vraiment la porte de Baldur. Ah voilà. Ben, c'est pas. Bon du coup, on quitte ici. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement on peut se débrouiller. Ouais. On fait des bisous à tout le monde. À bientôt. Des bisous tout le monde. Ouais.